Salut et bienvenue à la chaîne 7 du Salon. Hello tout le monde! Voilà, et toujours et encore, voilà, accompagné Oui Didine. Et ouais, la voix off! Alors là, on s'était arrêté pour le troisième Troisième instrument. boss, ouais. Ouais. Et puis là, ben là, on va aller pour récupérer le quatrième qui se trouve carrément vers les dunes de. Enfin, c'est quelque part dans le désert. Voilà. On va découvrir ça tout de suite. Oui. En tout cas, encore une fois, on vous le recommande, ce petit jeu. Ah oui, alors là, c'est absolument clair et net et précis. Hein, Et même si tu n'as joué à aucun Zelda, franchement. D'ailleurs, peut-être avant de se lancer dans Zelda Breath of the Wild, je vous recommanderais d'essayer celui-ci. ah, oui. Oui. Ça, ce serait pas une mauvaise idée. Ah ouais, oui. Pour mieux apprécier Zelda Breath of the Wild derrière. Ah oui. Et puis en plus, comme ça, ben, nous avons dit déjà, ben, tiens, dans le Zelda de cette version-là à la version Breath of the Wild, oui, je sais, je suis en anglais alors. Et ben, en fait, dans celui-là, il se téléporte. Et là, il se noie. Oui. Ok, donc je ne peux pas. Non, c'est trop loin. Mais il faut essayer. Oh, bien. En fait, c'était instinctif. C'est venu tout seul. Ouais, Les souvenirs de la Game Boy. voilà, ouais. Mais bon, du coup, voilà. Hein. Si au moins on peut vous partager, si on peut vous éviter les galères, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on s'était dit, on va le faire, parce qu'on a vu beaucoup de nos abonnés ou de youtubeurs qui faisaient des vidéos bien spécifiques, c'est-à-dire au moment du boss ou autre. Nous, on s'est dit, quitte à le découvrir ou galérer, ben, on va vous faire du début à la fin. Voilà, pour une fois. Ah oui. Puis bon. Personne n'est parfait, personne ne peut réussir ce jeu comme ça. Ce jeu comme ça. Instinctivement, comme ça, sans une fois tomber dans un trou ou Ah autre, enfin, je veux dire, voilà. oui. Même les meilleurs. Surtout quand c'est une découverte. Après, quand c'est un jeu que tu maîtrises bien, les yeux fermés, tu y vas, quoi. Mais Ben, quand tu découvres. sur Game Boy, oui, mais là j'avoue que j'ai un petit peu de mal parce que l'image est grande et t'as des couleurs, et tu vois, et c'est. Ben voilà, ouais, Mais c'est bien, c'est super. ils l'ont très très bien réussi. Des Oui. fois, il y a des jeux comme ça qui décident d'en mettre au goût du jour, mais là, c'est une réussite. C'est vrai. Alors, les dunes de Yarna, donc c'est ça, voilà. Leur entrée est au sud, mais pas sûr que tu puisses passer. Un gros balourd s'y affale bien souvent de tout son long. C'est celui qui veut de la soupe. La musique, elle est assez sympa, je trouve. Attends, parce que je croyais que c'était des toilettes, le mannequin. C'est le décolleté, je croyais que c'était le siège des toilettes. La femme Et c'est une personne, hippopotame, non mais sérieux. oui, Ah, pourtant, je porte pas de lunettes. ok. Ouais. Mais tu sais, ça faisait comme une lunette de toilette au Ouais, loin. non, mais moi aussi, hein, Et j'avais j'allais évoqué me dire, ça. mais qui est-ce qui peut s'asseoir sur un hippopotame pour aller aux Aucune toilettes? idée. Mais non, c'est un mannequin. C'est un mannequin, ouais. Oh! Et ça, attends, la statue de la sirène qui surplombe la baie est mon plus grand chef-d'œuvre. Malheureusement, elle demeure inachevée. Inachevée. Il a achevé dans la Ouais. langue. Mais tu ne peux pas comprendre, mon art est trop compliqué pour toi. Bon, bah, zut alors. T'as vu ma tête? C'est un Picasso, elle est tout seul. De quoi tu parles, toi? Bah. Oh bah celle qui va nous donner la lettre, je Ne crois. respectes-tu donc pas l'étiquette quand tu rends visite à une dame? Si tu m'avais au moins apporté des fleurs, j'aurais été plus loquace. Personnellement, j'adore les hibiscus. Alors pour nos jeunes abonnés, hein, l'étiquette, c'est les règles de bonne conduite. Ouais.
Et quand on dit je vais te mettre un coup derrière les étiquettes. Non, parce que je précise, parce que j'ai trois enfants qui seraient capables de me dire bah, quelle étiquette elle parle, maman, à l'entrée, il n'y avait pas d'étiquette, non. Ouais. Je n'avais pas l'étiquette du cahier. J'étais un peu comme ça aussi. Ouais. Avec ce genre de trucs. Mais quelle, quoi, les étiquettes? Quelle est ta carte? Oh, sympa, et je veux la même chambre. Avec un petit système de pompage pour nettoyer le bassin. Ah ouais, 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 oh, un truc, la classe. Ouais. Bon, bah, sans les poissons grillés quand même. Bah, tu mets des laveurs de carreaux, ça fait tout à ta place. Hein. Bah, on entend quelqu'un, mais il n'y a personne. Quand on est rentré, c'est aïe aïe aïe. C'est le poisson grillé. Ah, ouais. D'accord. Il dit ah. S'il a craché son dernier souffle de vie. Ah bah, le nounous. Ouais. C'est une ruche que tu as là. Justement, j'avais besoin de miel. Tu veux pas d'un ananas en échange? Vous avez échangé la ruche contre un ananas. Il a l'air juteux. Enfin, oui. On l'a pas touché, en fait. Ouais, et je crois que l'ananas, faut le donner au crocodile. Hein. Oh, oh oui, je connais bien les dunes de Yarna. Il va te donner de la soupe en échange, non? Ouais. Mais leur entrée située au sud du village est bloquée par un grand gaillard. Et quand il dort, pas moyen de le réveiller. Mais j'ai une idée. Amène Marine avec toi et fais-la chanter pour réveiller cet animal. Ouais? Ouais, faut qu'elle cherche à Marine. Elle nous fera sûrement bondir de son sommeil. Ça doit être drôle à voir. Tiens. Ah, ah, ah. Tu me fais goûter tes yeux? Non. Bonne nuit, le petit. Hein? Oui. Bon, on va chercher Marine. Bon, alors là, on a parlé à l'ours et tout ça, qui nous a donné pas mal d'indices pour pouvoir aller chercher Marine pour l'emmener à voir cette espèce d'imbécile qui s'est endormi devant le passage. Ah bah, t'aurais pu faire une brochette. Ouais, mais ce qui est bête, c'est que t'as vu, ça lui a fait aucun... Wow, ça lui a fait aucun dégât. Oh purée. Je déteste ces espèces de champignons volants. Alors, les pommes, à quoi ça sert? Bah, regarde mes cœurs qui sont en haut. Vous avez ramassé une pomme verte. Elle restaure beaucoup de vos cœurs. Et rouge, c'est un ou deux, je crois. Elle restaure un peu. Ok, d'accord. Donc, j'avais raison. Je t'avais dit de regarder. Ouais. Et ouais. Il n'y a pas que toi qui fais tes devoirs. T'as vu ça? Ça lui a rien fait. Bon alors, c'est là aussi qu'il y avait le fameux nid de guêpe. Ouais. Enfin, d'abeille. Ah, mais merde, c'est vrai. J'en ai pas trouvé d'autres. Très joli chapeau. Mmh. Au revoir. Ouais. Ben alors, saleté. Tiens, Marine n'est plus là. Je me demande où elle est. Bah, nous aussi. Ouais. Bon, c'est vu comme quoi que c'est une petite qui est amoureuse de Link, hein, forcément, parce que tout le monde, tout le monde veut sortir avec Link. Hein. Bah, l'autre, il s'en est remis de son truc. Bon alors, par précaution, je vais regarder en bas dans la plage pour voir si Marine n'est pas en train de broyer du noir. Hein. Parce qu'elle a un petit look émo, elle.
Il m'a pété la bouche. Voilà. Et les bananes, ça fait quoi? Et les bananes, en fait, bah en fait, ça donne rien. Si j'ai tapé dedans, tu vois, ça... Voilà. C'est vachement dommage, hein. Ouais. Ok. On va merci pour le... Enfin... Mais t'as dit merci, hein. La pâtée, quoi. Voilà, c'est au cas où qu'il y en a qui veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il disait. Bon, alors là, il n'y a personne. Tu entends roter, mais il n'y a personne. Et les amis, je vous le dis en direct live, nous sommes à 250 abonnés. Oh là 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 là. Et oui, je viens d'avoir une notification et c'est quelqu'un qui a aimé notre dernière vidéo. Donc voilà, et qui s'est donc abonné à la chaîne. Merci. Oh la vache, merci à toi le 250e. Oh bah. On remarque vu que c'est quelqu'un, alors, peut-être anglo-américain, je sais pas, on va peut-être te dire thank you very much. Ouais, thank you very much. Si on doit faire comme les Oscars. Thank you, mom. Thank you, dad. Thank you, my friend. I love you. I love you all. I love your family. Oh non, mais on est super content. Là, ça va nous mettre la patate pour dormir pour aller au taf demain, ça va être bien. I like my eyes. I'm like Adrian. Ouais, Adrian, je te dédicace. Non, alors voilà, elle est là en train de broyer du noir. Ah bah voilà. T'as eu mal. Ocède, tu savais me trouver, on dirait. Ouais. Oui, où tu iras, je te trouverai. Ouais. Veux-tu qu'on parle un peu? Voilà, bah, j'ai pas le choix. Hein. Allez, là, sortez les violons. Oh merde, putain, c'est bien fait. Caprice des dieux, à deux. Oui, à deux, on est plus amoureux. À ton avis, d'où vient cette noix de coco? De là. Quelqu'un me dit qu'il n'y a rien... Quoi? Ah oui, il part. Oh putain, qu'il n'y a. C'est quoi? Je ne veux plus lire. Non, c'est émotion. Tarquin me dit qu'il n'y a rien par-delà la mer. Tu vois, par-delà. Tu ouais, vois. Par-delà, ouais. Mais t'envoies Ophéla, chérie, d'estresse. Moi, je suis persuadée du contraire, dit-elle. Ouais. Approche-toi, Marine. Approche-toi, Link. Tu vas enfoncer tes oreilles pointues dans ses oreilles. À défaut de pécho Zelda, Link. Allez, on est de tout cœur avec toi. Parce que t'as vu qu'avec Zelda, ça marche pas. Essaye avec Marine, purée. Ouais. Tu sais, Sed, quand je t'ai vu échouer sur la plage, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Normalement, t'as peut-être cru voir un macabre. J'ai tout de suite pensé que tu étais le messager que j'attendais. Ouais. Mmh. Ah! Hein? Non. Ok. Elle teste, hein, elle tente. Hein. Si j'étais une mouette, je m'envolerais loin. Très loin. Oui, bon, en même temps, une mouette, ça s'envole. Hein, bah non, mais elle dit ça parce qu'elle vient se prendre un râteau. Hmm. Je visiterai des tas d'endroits et... Je chante pour toi. Je chanterai pour toi. Ah, je chanterai pour toi. Je t'explique. Un vœu au poisson rêve. L'exauceras-tu? Par contre, là, j'avais la flemme de continuer. Je savais. Quand j'ai vu le mot, je me suis dit, attends, il est lancé, mais bon. Hein. Hey, tu écoutes, Ced? Es-tu sûr que tu m'écoutes? Non, parce que franchement, quoi. Hein? Tu m'écoutes? Pardon? Mais tu sais pas que Link, ma pauvre, il parle pas. Hein? Bah, même ça, dans... on va mettre au pardon? Même dans Zelda, Breath of the Wild, ta Zelda, elle parle, tu vois, le pauvre Link qui la regarde comme ça. Ouais, il sans rien pas. Dire.
C'est parce qu'ils ont trouvent ouais. pas de voix pour Link. J'aimerais tant connaître l'endroit d'où tu viens. Fait. Je viens du monde réel et toi tu viens d'un rêve. D'un poisson qui est dans un œuf. Oublie ce que je viens de dire. avec joie. Ça c'était le rire d'une fille amoureuse, c'est tu vois. Ouais. Comment tu veux que j'aille voir le morse avec toi? Bah d'accord, je t'accompagne. Purée la vache. Ah d'accord, et en plus tu la soulèves. C'est devenu un cirque là. Alors ouais. Marine se joint à vous. Serait-ce la chance de votre vie? Maybe. Et là, Link a enfin soulevé quelqu'un. Oh mais en plus elle est lente hein. Attends, on va essayer de voir dans la maison là. Parce que j'ai un truc à me... Je sais même plus à qui je dois le donner ce... Tiens, t'as mes fleurs. Et t'as vu, je sais bien tuer les monstres hein. Tout ça me fait penser à... C'est Falbala dans Astérix, la petite blonde là. Je sais plus. Un petit peu, tu sais, un peu comme ça, ingénu, un peu de bête. Ouais. Ouais, blonde. Ouais, blonde. J'ai rien contre les blondes. Hein. Moi-même, j'ai été blonde il y a pas longtemps. Je m'amuse à changer de couleur. Blonde, ouais. Blonde. T'as vu, moi aussi. Mais merde, il est où le père? C'est pour dire comme quoi que je me bade avec toi. Oh, tant de violence. Ouais. T'as une même dans un arbre. Dans de la pierre. Dans ta tête. Ouais, j'allais dire si tu viens de tirer, ça fait quoi? Ouais, justement, ça fait rien. Ouais. Je voulais le voir moi aussi, tu sais. Oh, t'inquiète, elle est immortelle. Oui, bah j'ai vu, elle passe à travers les trucs. Ouais. Mais tu vois. C'est pour lui couper les cheveux? Ouais, voilà, ouais. Je suis sûr qu'en plus, avec les cheveux courts, ça lui irait mieux. J'ai vu se battre ou c'est moi qui a, non, qui a pété de l'œil? Non, tu as ton œil en fait. Poum! Ouais. Mais merde, putain! Oui, c'est là, c'est ce que j'ai fait, purée. Bon, la marine, là, tu pourrais pas servir à quelque chose, hein? Quand même, c'est la nuit, hein. Ouais, j'avais peur que la manette déconne, tu sais. Là, 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 là. C'est juste par précaution. Attends. Merde. Mais qu'avez-vous donc trouvé? Non mais c'est vrai quoi. Un téléporteur. T'as vu ça? Ouais. Et t'as vu ça, hein, pour le téléporteur hein. Je t'avais dit, moi je suis bien. Hein. Vas-y, creuse encore, ouais, t'as dit. T'adores que je creuse, hein? Ah ouais. Ouais, t'es une creuseuse, hein. Une crevarde de trous, hein. Elle aime quand tu creuses. Ouais. Petit enfant. Ok. Il en a rien dans la réserve. Ouais, on va se calmer un peu parce que sinon. Et oui, il est 23h10, mais on est en forme quand même. C'est les 250 abonnés. En fait. Ouais, c'est vrai que je suis tout excité. Ouais. Bah dis donc, c'est sa phrase ou quoi la meuf? Vas-y, creuse, hein, creuse! Ah oui, électrocute-toi, Claude François! T'es con, toi! Ah non, mais franchement, il faut que je me calme un peu parce que là. Ouais. Qui, alors, votez un. Qui veut.
Qu'on mette du scotch sur la bouche de celle du salon. 2. On lui met la bombe. Link, passe-moi une bombe. Ou alors on lui tape les doigts. Allez, putain, oh là là. Attends, en fait, est-ce que moi je peux te sauver? Non, je peux pas te sauver. Bon, alors. Parce que c'est bien beau, mais. Parce que là, j'ai vu que je peux pas aller plus loin si je passe par là. Une petite pomme. Une bonne idée, ça. Alors, regarde, la petite. Ouais, c'est même pas un cœur. Tu vois? Et sinon, bah, elle est verte. C'est dommage, on peut pas les garder en stock. Ah, oui, c'est vachement dommage. Surtout qu'en plus, que j'ai récupéré un flacon. D'ailleurs, il est où mon flacon? Bah, il est pas là. Crotte. C'est ce gros patapouf de morse. Si on lui faisait une petite surprise, bah d'accord, hein. Bah vas-y, tu veux lui faire quoi? Ah oui, d'accord. Sous l'océan. Sous l'océan. Oh bah. La tête à Link. Ouais. Ah, on dirait qu'il s'est vu du bon pied, non? Ah ouais? On aurait dit qu'il avait envie de se tuer, ouais. Oh oui, tu veux que je te suive pour notre petit rassemblement habituel, n'est-ce pas? D'accord. Je vais au village des animaux. Rejoins-moi quand tu auras un peu de temps, Ced. Ok. Et tu parles aux animaux, toi? Et donc lui, là, c'est pas comme les poissons, tu peux rien faire, je peux pas le pêcher, non, y'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit Marine ou on va dans l'aventure du cache? Bon, on va dans l'aventure. Ouais. Dans les dunes de Yarna. Ouais, tiens, c'est ouais. Les petites trucs dans Mario, là. Ouais. Attention, bébé. T'inquiète pas, je suis équipé. Alors, c'est pas là. C'est pas là. J'ai acheté les flèches hein, en fait. Hein. Il me semblait, oui. Après, je sais pas si tu les as utilisées. On en avait acheté. Ça m'a même pas sauvegardé. T'as pas utilisé? Non, ça n'a pas sauvegardé. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on va essayer de faire sans, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Hein. Quand viendra l'éveil, le rêve disparaîtra, emportant les monstres avec lui. C'est pourquoi les monstres tentent d'arrêter le héros de l'éveil. Ouais, je suis le héros de l'éveil, Hyrule. Celui qui te fait montrer tout ce qu'il y a dans Hyrule. En fait, j'en ai pas besoin, hein. J'en ai déjà plein. Ouf. Eh, c'est bête que tu vois qu'il y a dans le jeu, Marine ne participe pas à ton aventure. Solitaire, Link, solitaire. Ouais, c'est vrai. En plus, qu'il se fait directement à friend zone avec n'importe qui, le pauvre. Ouais, plus que deux cœurs comme celui-là, et ensuite après, bah là, j'en ai un peu plus. Mince. Ah,
Un coquillage. Vous avez obtenu un coquillage. Ouais. Mais c'est pas le coquillage, moi, que je veux, moi, c'est le passage. Alors, si ça se trouve, si, je sais pas, il y a quelque chose du genre qu'il faut que je... Petite vermine, sale vermine. Oh la vache. Tu t'en souviens de ça? Oui. On est bon les mecs. Hein. On va plonger, ça passe ici. Ah, ils ont troqué. Non, c'est pas grave. Waouh. Ouais. Non. Ok. Bon, ça a l'air d'être normal. Oui, oui, oui. On a obtenu la clé poisson. Ouais. Restez sage, bande de gens. Moi, je propose qu'on fasse une petite pause tant qu'on est là en sécurité. Oui, une pause média. Allez, à toutes. À toutes, restez ici. We are back. Ouais, we are back. I back you. Bon, bah là, on a tué la créature. Hein. Et maintenant, bah, on va essayer tous ensemble de trouver l'endroit où cette clé doit aller. Ouais. Bah si, au fait, je peux, parce que ça viendra au même endroit. Donc alors, ici on avait déjà fait le tour. Là ouais, après je tombe dans le truc. Après machin. Ouais, désolé si je me défends pas, mais c'est parce que c'est en même temps, je me fais des repérages d'endroits là. Pour éviter de tourner trop en rond. Non, on va se défendre parce que j'en ai un petit peu marre. Je voulais la bagarre. Ah, puis tu perds des cœurs. Ouais. C'est pour ça que là, je me suis dit, autant se défendre. Là, à mon avis, je dois aller voir la marine. Ouais, je pense. Ah, il y a le hibou, j'ai oublié lui. Cette clé évoque un poisson remontant une cascade. C'est là ta prochaine destination, alors rends-toi à la cascade de la montagne. Une fois qu'elle sera tarie, saute depuis son sommet. Ouhou! Ouhou! C'est un cri de guerre ça. Ouhou! Il y a 300. T'imagines, il y a 300. Ouhou! Ah, c'est bête que j'ai pas un logiciel de montage parce que je vous aurais fait ce genre de truc. Marine is back. Ouais, je l'observe. J'aime bien la pose de l'ours qu'elle voit. Tiens, Céd, je viens sur... Oh putain, souvent chanter dans ce village. Moi, j'avais peur que tu me dises plutôt autre chose. J'ai pensé à autre chose. Mais je ne peux pas le dire. Ah, ouais. À Duracell, t'as pensé? Ouais, à Duracell, ouais. Dic. Ouais. Duracell, le plus longtemps dans le... Alors, tout le monde adore ma balade au poisson d'ail. Ouais, les lapins aussi.
Et toi, qu'est-ce que tu aimes, Shed? Fin commentaire. Des fleurs! Des fleurs! Je veux des fleurs! Ah, je sais pas, j'aime que tu t'entends chanter. Tout le monde adore ma balade au poisson. Bah, c'est pareil. Hein. Et ouais. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Elle est piégée dans la boucle du PNJ. Il a dit qu'il faut trouver la cascade dans la montagne. Ouais, mais j'essaie de comprendre comment je peux prendre ça. Enfin, ouais. La cascade de la montagne. Bah, le cœur, faut peut-être monter là et sauter, non? Tu peux pas? Non, je peux pas. Non, je peux pas. He's back. Hey, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai dit, donne pas aller là. T'es con quoi? Je t'ai dit vers la cascade. Au nord et au sud d'ici se trouvent deux temples. Va d'abord au sud, tu y trouveras des ruines antiques qui ont un lien avec le poisson rêve. Tu en apprendras sûrement davantage. Ouhou! Ouhou! Ah, l'eau, elle est vachement bien faite, l'eau, hein, par contre. Ça donne envie de s'y baigner. Ouais. Alors, attends. Ils disent d'aller au sud. Ah, c'est forcément là. Parce que je sais pas si vous voyez comme moi, mais ici, c'est éclairé. Et vu comme c'est éclairé, on va jeter un coup d'œil, si c'est pas par hasard, par là qu'on doit aller. On va suivre la logique, hein. Enfin, s'il y en a une. Et j'étais trop loin. Donc, alors, non. Ça ne sert à rien. D'habitude, je passe par-dessus, mais je sais pas, sur la version Switch, je ne passe pas par-dessus. Oh, ma tête. À moins que tu veux dire ce sud-là, là, que le château qui est juste en dessous de moi. Là. Et là, tu peux pas. Ouais, ça fait. Sans pitié. C'est pas de pitié pour les croissants, les gars. Ouais. Et ça, c'est. Tu t'en souviens de ce passage-là ou pas? Ouais. Oh la vache. Oh, dommage. Ah oui, c'est vrai que je peux pas aller dans l'eau tout de suite. Voilà. C'est là que l'on va se marrer un peu, les mecs. Ouais. Tu rigoles pas, lui. Surtout qu'en plus, c'est pratiquement indestructible, ce machin. Ah si, c'est destructible. Tu n'as que deux cœurs, bébé. Oui, t'inquiète.
C'est vous Jérôme. Avez ramassé une flèche. Ah merde. Il n'a pas d'arc. Ouais. Je crois que pour le tuer, il faut avoir une arc. Purée. Pour tuer quoi, le boss? Ouais. En plus que je l'avais, l'arc avec les flèches. Hein. J'en avais plus de quoi, au moins 10. Et du coup, tu vas faire comment, alors? Bah là, je suis obligé d'aller la chercher. Ouais, mais elle coûte 900, purée. Non, on va voir si on peut 100. Parce que de toute façon, j'ai des bombes. Ouais, 4. Le Minotaur. Pas là. Bah, you die. Ah ouais, mais j'ai compris que je suis mort, mais au nom de quoi? De you die. Purée. Oh, mais là. Ça me fasse des dégâts là, t'es bon. Là. Ouais. Ça lui a rien fait. Bon, bah vas-y, pète-moi dans la bouche là, parce que. Je vais aller dans la ville, si j'ai pas le choix. Et là, tout de suite, on va faire une coupure média et on va revenir ici avec le matos pour éviter que la vidéo soit trop longue. Merci de rester là, ici, sagement. À toutes. À toutes. Bon ben nous voilà de nouveau dans la cave, hein, là où c'est que j'ai échoué lamentablement deux fois je crois. Hein. Alors là ouais, les flèches, bon ben je pense que ça va être bon là. Allez, on réessaie. Ouais. Oh la vache. Va-t-il y arriver, les amis? Va-t-il y arriver? Oh oui, forcément. Ah, les crottes, hein. Voilà. Ah, mais zut. C'est tout de suite mieux. Ah bah oui. Hein. Bon, alors maintenant là, on a récupéré la clé masque pour la mettre forcément dans le nord, là où il y a. Je crois qu'il y a un Gus là qui s'est perdu. C'est là le père de famille là, qui disait ouais, si je vais dans la forêt, est-ce que tu vas m'aider? Blablabla. Ben c'est lui qu'on va rendre visite en même temps. Alors voilà la vérité sur Hyrule. Toi qui lis ces lignes, sache que l'île Coconine n'est qu'une illusion. Oui, l'île Coconine, pas Hyrule.
Mer, ciel, montagne, monstre et humain, rien n'est réel. L'île n'existe que dans les songes du poisson rêve. Quand il s'éveillera, elle disparaîtra. Naufragé, maintenant, tu connais la vérité. Quoi ? Une illusion ? Eh ouais. Et en plus, comme parle une musique triste et tout, c'est... Genre Marine ! Marine n'est pas réelle. ah oui, c'est vrai que... Ah, là, y a rien. Bon, bah là, tout de suite, sans plus attendre, on va aller directement au nord. Alors. Ah, purée, le hibou. Ouh, je vois que tu as ce marbre ancien. Il dit que l'île est issue des songes du poisson rêve, mais personne ne saurait l'affirmer. Qui peut savoir ce que contient un coffre tant qu'il n'a pas été ouvert? Qui peut deviner qu'il rêve tant qu'il ne s'est pas réveillé? Le poisson rêve est le seul à le savoir. Alors, suis ton instinct, ainsi tu trouveras la réponse. Il m'a fait du Yoda là, non? C'était, tu te rappelles de la série quand on était jeune, la philo selon Philippe? Rarement. Bon, bah c'était la philo selon Philippe. Ah d'accord. Mmh. Oh, c'est chiant. On va pas encore mourir lamentablement, hein. Voilà. Moi, je pense que ça va se faire. Ouais, mais les passages, ils sont courts. Hein. Le temps que lui, là, il bouge, là. Non, mais t'es sérieux? Il va pas mourir, on va pas mourir. Du moins, pas tout de suite. Voilà. Bon, alors. Voilà, il avance, laisse-moi passer, purée. Voilà. Ouais, ça sert pas grand-chose, mais bon. Surtout dans cet endroit-là. Je cours et je cours. Oh là là. Purée. Oh là là. T'as un demi-cœur. Ça s'annonce mal, les amis. Ouais. Oh bah. Ouais. Heureusement qu'il y a de l'herbe. Hein. Alors, du coup... On va apprendre l'air avec Marine. Comme ça, ben... Ça sera déjà fait. Thank you.
Alors comment la trouves-tu? N'est-elle pas émouvante? Sauras-tu t'en souvenir? Ouais, bah, elle va te chanter encore des belles chansons. Ouais, bon, en tout cas... La jolie chanson de Marine. C'était magnifique. Elle est gravée en vous. Ouais. Elle te dit, n'oublie jamais ma balade. Ni moi. Bah, t'es qu'un rêve. Ok. Ouais, ton nom. Ouais, non, c'est vous, je l'ai bien ancré. Je me souviens qu'on pouvait avoir un coquillage avec un espèce d'autre c'était, Paris. C'était quand t'allais vers le monde qui dort là, vers les dunes. C'était pas ici là? Non, vers les dunes. À l'entrée des dunes. Là, par là. Ouais, c'est là. Là, ouais. Vas-y, lave maintenant la musique. Oh, Marine. Oh, bah, yon. Link, Berk. Ah, je crois qu'il allait pas nous donner. L'autre, là, il voulait voir Marine, il a vu Link. Vous avez obtenu un coquillage. Rassemblez-en beaucoup, vous pouvez avoir de bonnes surprises de bande. On est loin. Ouais. On en est très, très loin encore. Bon, maintenant, on va se servir du téléporteur qui est en bas. Ah bah. C'est génial. Ah, crac. On n'a plus. Ça, c'est pas la clé du masque hein, qu'on a mis dedans. La fameuse cascade. Je crois que c'est ici qu'on apprend à nager après. Ah ouais. Ouais. J'adore entendre ce bruit-là, je te jure, c'est un truc de vrai. Faut pas que tu sautes dans le trou là, non, c'est ça? Bah, le truc c'est que je vois un escalier là. Ouais. Et je sais plus à quoi ça sert. Ah, je crois okay. Que tu peux sauter dans les trous. Bah, en fait je peux mettre des bombes. Ouais ou des bombes, ouais mets une bombe, c'est peut-être ça. Bah je n'en ai plus. Ah t'en as plus? Ouais. Ah tant pis. Mais bon c'est pas trop grave parce que ça... Je crois que ça devient un coquillage. Ah, vous aimez chercher la bagarre, hein. La bagarre. Et ensuite, on va aller voir pour la bagarre. Non, discuter. Pourquoi que le marchand a changé d'avis? J'ai été diplomate. Ah ouais, t'as fait quoi? La bagarre. Ben c'est ça le barbare. Attends, où c'est qu'il est en fait le fameux grand homme qui s'est perdu dans la montagne? Ouf. Je déteste les chauves-souris dans tous les jeux. Les chauves-souris, c'est un truc que j'aime pas, que je déteste. Ça viendra dans le verre. Je pense. Ah, crotte, je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Oh, purée. Oh, c'est pas grave. C'est facilement réparable. Alors, ça, on pousse là.
Comment ça se fait? Il devait pas tomber le 5 minutes touche. Voilà, cool. Allez, un petit cœur en plus. Enfin, je crois. Ah non, il n'y a pas de petit cœur encore. On en aurait bien besoin, pense, à ce stade. Ben, surtout là où il y a, je crois qu'il y a un boss, c'est un poisson. Et je crois qu'il faut lui balancer, je sais plus trop quoi, là, des flèches, si je me rappelle bien. Et on va avoir un espèce de grappin aussi, si je me rappelle bien. J'aimerais bien donner l'ananas à l'autre, là, pour lui sauver la vie, là. Ouais, vous avez ramassé 50 rubis. Ah oui, il est là. Eh, allez, gamin. Ouais, il est là. Par là que vous mettez? Ah oui, d'accord. Oui, ah, mais c'est pas merde. Il y a forcément un moyen. Par les trous là-bas, là, non? Non, là, c'est là que je t'en sors, à moins que... Non, mais il y en avait deux autres, là-bas. T'es passé par là? Ah non, oui, oui. Ah oui? Ah, je voulais pas ramasser ça. T'as vu, ça, c'est un truc pour ton bouclier. Mmh. Là, il y aura un monstre. Ah bah, putain, je m'en souviens. Cool. Ah. J'avais prédit. Me voilà perdu, j'ai trop faim pour faire un pas de plus. Oh, t'as une sale gueule. Je sens que je vais mourir, j'ai la tête à ce carré mourir. Me nourriras-tu? Bah, bien sûr. Cette nanana a l'air délicieux. Miam miam, je me régalais. Oh la vache. Mange la peau avec. Hein. Au fait, voici un petit cadeau en remerciement. C'est un hibiscus. T'as vu, c'est les fleurs de... Animal Crossing. Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Tiens, je te donne un truc invisible. Ouais, t'avais rien dans ta main, frérot. Bon, ok. À qui on va donner ça maintenant? Machin qui aime les fleurs. Qui voulait? L'espèce de lapin, là. Ah, peut-être. Et après, elle me donnera une lettre. Et cette lettre, je la donnerai ensuite après au facteur qui est. Qui est un endroit plus loin. À la poste. Ouais, voilà. Ouais. Ah, mais crotte. Je sais qu'il y a un autre coquillage dans les environs. C'est assez vague, hein, n'empêche, comme souvenir. Bon, bah, c'est pas grave. Parce que nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est de péter la tête au boss. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, je ne pouvais pas répondre parce que c'est une vidéo. Alors. Ah, tu sais qui me sauve la vie, toi? Oh, connerie. Ok, il fallait simplement faire ça. Alors... Hop. Non, t'entends ces petits pétons. Ok. Moi, je vais profiter là, déjà.
cool. Oui, un bec de pierre. Ouais, pour savoir. Pour parler avec les hiboux. Voilà, les hiboux de pierre. Donc, ben, ici, je pense que ce serait mieux d'attendre que je sache nager. Et je visite. Hein. Cool. Aha. Ça, c'est on a enfin trouvé la carte. Ouais, et la carte avec ça, tu peux pas te paumer. C'est de la carte. Mmh. C'est de la carte. C'est de la carte, c'est de la carte. C'est de la balle. Ouais, trop de la balle. C'est de la balle, c'est de la balle. Tududu. Ok. Oh, bien joué. Ta 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 ta. Une clé pour ouvrir une porte banale. Oula. Moi qui voulais le faire sans accident, c'est. Oui, il y a les trois trucs là-bas. Ouais, il y a les trois cœurs. Oh, mais zut. Flûte. Bah ouais, hein. Cédric ne va pas dire de grands mots cette nuit salon parce que. Sinon, pompon cucu. Voilà. Il faut que je me fasse des petits challenges comme ça. Pour pas être vulgaire. C'est quoi l'enjeu? Parce que je parie, hein. Je parie 500 euros dessus, les gars. Je parie, les gars. J'en dis autant que ça? Ouais! Voilà, 17. Ah, mais je joue comme une... comme une crotte de canidé. Alors, la boussole, pour ben, vous savez à quoi ça sert, hein, ça sert à se repérer dans des lieux. Hein. Ah ouais? Ah ouais, hein. Bon, en plus, c'est vachement utile, parce que ici, là-bas, nous, on s'en sert beaucoup, hein. Ouais. Et ben, crotte, j'ai l'habitude de sauter sur le B, moi. Troisième. Ouais. C'est que moi, ce que je fais, moi, c'est que je fais tout le temps de la chasse aux clés, puis ensuite, après, je fonce dans l'objectif. Oh là là. Heureusement qu'il donne des coups d'épée en sautant, hein, comme dans la version Game Boy, parce que s'il voulait ça, il n'y aurait plus d'enjeu. Hein. Alors ça c'est, je peux pas tout de suite, il faut que je sache nager. Ou alors que j'ai le grappin, j'aimerais bien avoir le grappin. T'as vu, je voyais la vie en rose avec les deux trucs sur les yeux là. Un gland de défense. Ouais. Allez, maintenant on va faire du Mario. Wow. Oh là là. T'as eu vraiment chaud. Ah oh, zut, il se lance dans le vide. Enfin dans le vide. T'inquiète. T'as vu ce que c'était? Je sais pas ce que c'était, moi. C'est une bouboule. C'est une bubble.
Voilà, c'est dans l'eau, je crois. Ah non, c'est du Mario ici. Allez. Et je saute. Ta 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 ta. Eh ben. Bah, tu sautes, hein. Mais en fait, je peux pas. Mais si de l'autre côté, elle était pas prête. Ah non, mais il y a rien qui va apparaître. À moins qu'ils ont mis ça. Ouais, tu vois. Ah, j'étais tellement sûr de moi-même. Ouais, ça va, on a suffisamment de cœur, donc on peut pas mourir comme un bête. Hein, parce que là, si je meurs, c'est que je suis nul et qu'il faut que je change de jeu. Hein. Et voilà, vie heureuse. Et là, tu fais comment? Là j'ai envie d'être vulgaire pour commencer. Ah non, faut que tu sautes là-bas. Non, parce que regarde, la clé est au milieu là. Ah mais saute. Voilà. Ah mais saute dans l'eau, j'ai envie de... Voilà. Meurs sur la clé, tu vois ce que je veux dire. Ah non, oh merde. Ah tu vas faire comment? Je vais atteindre l'endroit pour apprendre à nager. Ah ouais. Mais... Bon bah moi je suggère une petite pause en attendant. Ouais. Vu qu'on est en sécurité. À toutes. Ici là je pense que nous sommes en sécurité. Bon allez, à toutes, une petite mélodie pour la toute. Ouais. Et allez, donc, on y retourne. Et voilà, on y retourne. Alors, on est sorti de là, on a fait une petite mélodie pour une petite transaction. Hein. Alors... Oh... Zut. Oh bah, il manquait tout ça. C'est chiant parce que je n'ai pas de grappin. Alors, là, c'est abusé, je sais pas comment on va faire. J'aime bien comme Miss Noix, tu sais. Sauf que là, le seul problème, c'est que il y a un problème. Dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Tu sais pas ça, que des solutions. Que des solutions. Oui. La solution. Tu dois trouver les solutions. On va aller trouver la solution. Il y a le coup de persuasion, c'est la discussion, et l'autre persuasion, c'est... Alors, il est où l'autre insecte? Ah oui, c'est là. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, peut-être que... c'est assez vague hein, dans mes souvenirs, mais ça va me revenir. Hein. Est-ce pas que peur. Tu veux que je te dissèque le cerveau comme ça, je regarde en direct là, il y a quoi dedans. C'est un peu comme dans les Simpsons, des trucs de ouf comme ça. Ouais. On le mettra dans les bonus comme ça. Hein. Ça, on dirait les gamins quand ils se lavent les dents. Ouais. Alors, moi qui croyais avoir trouvé une clé. On va la trouver de toute façon parce que ce terrain là il est vachement 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 grand. Hein.
Alors. Elles sont quand même... C'est des libellules, on est d'accord, non? Ouais. Elles sont quand même bizarres, les libellules. Hein. Alors, bon. Pas bon. Ok, donc c'était celle-là, le de bon. La belle ou non pas? Vivement que j'apprends à nager, parce que là... Alors, bon. Non, ok. Mais alors, comment ils veulent que je fasse? Ah, parce que si c'est celui du fond, t'es obligé de nager. Hein. Bah oui. Une clé, une clé. Oh oui! Ah oh, oui, la bah, clé. Dis donc, hein, oh, ça t'en je... fait de les faire. Ouais, je l'attendais. Ah ouais. Excusez-moi. Lorsqu'on tombe sur un truc que l'on attend et qu'on attendait que ça, et lorsque le moment est venu, c'est normal que voilà. Ah, je n'attendais que ça. Allez, vas-y, vole, parce que là, tu vas me tuer. Ah, c'est bon. Là, je crois que j'ai bon, là. Parce qu'en fait, je joue avec d'instinct, de mémoire, tu sais. Ouais, c'est comme avec Picsou, t'as des automatismes. Ouais, voilà, ouais. Et en plus, à chaque fois que lorsque je tombe dans l'eau, cette fois, j'ai un automatisme, c'est d'avancer, tu sais, histoire d'aller un peu plus vite. Et que non, en fait, je tombe dans le trou. Ça arrive. Bon, là, j'ai fait attention parce que des cœurs, je vais en avoir besoin. Là. Combien j'ai de bombes? Combien j'ai de bombes? 16. Parce qu'elle a pas l'air commode, hein. Oh, c'est une grosse punaise, c'est ça. Eh, je suis là, hein. Oh purée. La musique bien stressante, c'est. Ouais. Soit dans Tortue Ninja. La musique un peu stressante, c'est quand t'avais senti que t'allais mourir. Est-ce que t'es deux fois plus stressant, c'était le. Oh putain. Voilà, c'est ça là. Le bip 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 bip. Bip 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 bip, putain quoi. Oh mais non, putain, là c'est dans la merde, je suis dans la merde. Athéna, sauve-moi. Oh putain de merde. Le bacalhau de Portugal. Oh mais zut, purée. Il est mouru. Oh puis en plus il me colle dans les yeux. Voilà. C'est ça, tu pas assez concentré. Ah oh, bah oui. C'est pas bien. C'est vrai que je suis pas assez concentré. Oh mais... Alors comme il n'allait pas concentré, il va commencer à dire putain. Putain. Et putain. Bah je sais pas, ça m'a dit que ouais, t'es trop vulgaire. Ah, le on les abonnés, c'est Didine, la voix off. J'endosse la responsabilité. Non mais bon, faut penser au jour où les vidéos, si un jour on a une vidéo qui a un succès, bon, YouTube, ils vont nous la sucrer gentiment. Ouais. Oh non. Déjà ah, mais... que quand tu mets une musique, on te dit bon, peut-être on va te la supprimer. Okay.
Bah, surtout qu'ils disent musique libre de droit et comme par là, demain elle est pas. Enfin, le lendemain elle est pas libre de droit, c'est ça que je comprends pas. Parce que si le son c'est un problème, moi je crée moi-même mes musiques, alors je peux bien le faire. Ouais, bah d'ailleurs, faudrait qu'on fasse une vidéo, un de ces quatre. Ah ouais, ouais. Excusez-moi! À tes souhaits! Merci beaucoup! Oh putain! Ta mère l'étoile blanche! Eh, vous connaissez quelqu'un d'autre qui dit ça, ta mère l'étoile blanche? Franchement, j'ai jamais entendu ça de ma life! Non, tu sais, toi, ça remplace ta mère la. la papillon, tu sais, tu vois? Ouais! Non, mais même sur le coin là, comme ça, ah ouais, bah crotte, hein, je vais te, je sais pas ce que je vais te faire, mais je. Hey, il va te le faire! Non, mais c'est vrai qu'il est un petit peu chiant celui-là. Mais après, c'est une fois que t'as compris son mouvement. Ouais. Ah bon, il fait marche arrière. C'est vrai, c'est la première fois de ma vie que je vois faire ça. Hein. Je sais pas si sur la Game Boy il le fait, mais j'ai jamais vu faire ça. Voilà. C'est presque perfect. Presque. Presque perfect. Bon, alors, après avoir se fait shampouiner par l'espèce de Gus à la Lady Oscar, là maintenant ce serait de passer. Hop là, comme du beurre. Ouais, tu vas pas te séparer en deux comme ça. Ouais! Ouais, maintenant je sais nager. Eh ben c'est pas trop tôt. Ah oui, oh oui. Ah oui, attends. Parce que ça, là. Hein, quand tu tapes sur la tête, ça sert à rien du tout. Bon, maintenant. Ok, une. Quatre. Oh, mais il me dit les réponses, le con, là. Hop. 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 Et je nage. Sauf qu'avant de faire ça, je vais récupérer la clé. Parce que la clé, elle est indue. Oh, le purée. Est-ce que je peux nager automatisme? Oui, c'est un automatisme. Cool. Parce que ça, j'avais carrément oublié que c'était un automatisme. Ça m'ennuie un peu d'avoir une bombe, parce que je crois que je vais en avoir besoin contre le boss là, pour balancer des flèches bombées, tu sais. Tu crois qu'on est loin là du quatrième objet là? Non. Si je me fais pas enquiquiner par ces monstres là, on pourra aller très très vite. À qui souhaite? Mais si, très important de dire merci parce que sinon ça porte malheur. Ah ouais? Ouais. Ah mince, là, rubis, je m'en fous. J'en ai plus besoin maintenant des rubis depuis que j'ai l'arc.
Et voilà. Oh, ça te dit rien, ça? Oui, les petits poissons. Dans Mario. Oui, j'aime bien les petits poissons. C'est les mêmes poissons dans Mario. Ceux qui volent, là, et qui te... Qui... Enfin, qui sautent. Et qui aiment bien te tuer. Ouais. Au moment où tu arrives au bout du tunnel pour sortir. Voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un problème là. Ouais, peut-être qu'on trouve un moyen d'avoir plus de cœur quand même. Ah oui, 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 il y a un moyen. Il y a un moyen. C'est de s'amuser à visiter toute la map. Mm. Et rencontrer aussi des fées aussi. Ben, je crois qu'on va devoir explorer un peu parce que là, plus le jeu va avancer, plus ça va se complexifier. Ça va peut-être être dur après. Ouais, c'est sûr que ça va se complexifier. Parce que là, on va arriver à la moitié des objets. Donc, C'est vrai, ouais. Réfléchis, purée. Ah oui, donc il faut que j'aille là. Ok, je regarde la carte hein, correctement. Ah, j'ai pas le temps de faire. Oups. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah bah voilà. Voilà, là je crois que c'est la clé du boss, parce que là je vois pas. Ah non, ah bah là il y a un problème, c'est la clé du boss. Ah ouais? On va y arriver alors? Bah il faut que je trouve le bon escalier qui vont m'y emmener, quoi. Celui-là, c'est clair que ce n'est pas le bon. Alors, celui-là qui m'emmène là. Parce que là, franchement, là, c'est chaud, quoi. Avant que j'ai raté un truc dans le début. On va retourner au début et on va tout regarder correctement. Ta-na-na-na, les bonbombes. Ouais, les bonbombes. C'est les bonbombes. Chic-bonbon, chic-bonbon, Ricky Martin. Ouais. C'est la référence. Oui, parce que regarde, le but c'est d'aller là. Mais le seul problème c'est que je me souviens pas comment on y atteint là.
va-t-il y arriver, celle du salon? Là, franchement, je t'avoue, j'ai un doute. On en est à je ne sais pas combien de parties. Ouais. Et Avermedia est à 19 minutes 58. Bah, si tu veux, on fait une petite pause Avermedia. Voilà, et puis comme ça te laisse le temps de te faire un petit café pour finir cette vidéo qui va être un peu longue. Oh oui. Allez, à plus. À plus. Reste ici. On y arrivera. Ouais, on va y arriver. Bon, bah, après un café et tout ça, je pense que ça va mieux. Ah bah tiens. Il va m'embêter, lui, là. Voilà. Bon. Maintenant... Bah, c'est un jeu de mémoire, alors... Ah oui, on est vrai. Encore. Mais maintenant, tu peux nager. Ah. Oui. J'adore ces bruits-là. Ah. Ah oui. Alors, attends. On dirait un peu Astérix qui court quand même. Ouais. Parce que je crois qu'Astérix dans Astérix Obélix, il court un peu comme ça, non? Ouais. Non? Sur la PlayStation 1, je crois, non? Il était le jeu, je sais plus. Astérix, ouais. Oh, mais ta sœur, elle est vraiment agaçante, tu sais. Oh, mais... J'arrive sur la version Game Boy, pourquoi j'arrive pas sur la version Switch? Parce que le Japon. Ah ouais. Ah voilà. Avant j'arrivais à faire tac 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 et puis voilà quoi. Ah voilà la clé du boss. Oh, mais j'en ai marre que ça me colle au cul, ce machin. Ouais, je fais de la quête au croix avant d'aller au boss. Ah oh bah purée. Voilà. Allez, un peu de muscu là. Oh putain, j'en ai marre. Alors oui. Ah bah oui, c'était l'autre côté, bah c'est du salon, c'est n'importe quoi. Oulala.
c'est pas ici qu'il fallait. Comme moi, je suis en train de galérer, au fait, là. C'est n'importe quoi. Oh, voilà. Je suis vraiment désolé pour ce contretemps. Hein. C'est les risques de l'aventure. Mais alors, juste avant de commencer le boss, moi je vous propose que, avant de me moucher, parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de me moucher. Et oui, je raconte ma vie, elle est passionnante. C'est ça d'avoir des enfants, les gens. On en a 3 qui sont malades, dont 2 qui vont pas en cours, imaginez. Ouais. Et que... Bon, ben non, ça sera trop facile si je dis que moi aussi je suis malade. Alors... Bon. C'est parti. Voilà tout ce qu'il dit. Il s'appelle Bouffe-doigt. Le Bouffe-doigt. Ils aiment bien cette musique pour les boss quand même, non? Purée. Ah. On y retourne. De toute façon, je meurs toujours une fois avec les boss. Moi dans mes souvenirs j'avais je lui lançais des flèches moi. Mais fous-moi la paix. Voilà, non mais où? Il me fait du stalking l'autre. Et en plus c'est...
C'est que là je suis concentré pour, pour savoir d'où je viens, qu'est-ce que... Parce que là au fait là je suis carrément un peu dégoûté de mourir devant le boss. En plus avec le nez qui coule. Déjà j'ai le nez qui coule, c'est affreux. Bon, on va recommencer. Allez, allez Cédric, encore toi, celle du salon. Alors ça, ça marche pas, bah y'a rien qui marche, hein. Même pas la bombe. C'est le boss là? Ouais. Ça me fait penser à un des boss de Picsou qui jetait les trucs, tu sais, les cailloux là. Ouais, justement, ça m'a fait penser aussi à ça, ouais. Ce qui est chiant, c'est quand on lui donne un coup, il te fait bondir dans les, tu sais, dans les caillasses là. Voilà. La panique. Voilà, je vous ai dit, je meurs toujours une fois. Mais il faut le taper combien de fois pour qu'il meure? Je vais même pas compter. J'ai tapé sans compter. C'est Dante. Ah bah oui, bah, à chaque boss, hein, au moins. Dankeschön. Ouais. Thank you. Arigato. Muito obrigado. Gracias. Ouais, voilà, ouais. Et voilà. Maintenant, nous avons la harpe. Et ceci signe la fin de cette vidéo. Oui, de cette épopée. Éprouvante. Oui, très éprouvante. Voilà. Qui sera consacrée donc uniquement au quatrième boss. Voilà. Surtout que la prochaine fois, je ferai bien attention. Hein. Surtout, je vais essayer de me rétablir surtout très très vite parce que sinon. En même temps, on est beaucoup à être malade en ce moment, c'est comme ça. Hein. Ouais. Non, mais je suis désolé d'avoir clapsé je ne sais combien de fois, c'était bête, hein, et tout ça, machin. Mais sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Et bonne soirée à tous. Oui, à toi aussi. Hein. Et on like, on commente, on partage, on s'abonne. Si c'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao, après ça.